Entendons au Soudan du Sud qui vient de faire un pas en avant vers la stabilité. Le pays vient de former un gouvernement de transition. Le nouveau cabinet sera chargé d'assurer la paix au cours des 30 prochains mois et de préparer le pays aux prochaines élections générales. Le nouveau cabinet est composé de 16 ministres choisis par le président Salva Kiir. Le leader de l'opposition, Riek Machar, a quant à lui désigné 10 ministres et 4 autres ministres proviennent d'autres factions politiques. Les 30 membres du cabinet serviront le nouveau gouvernement d'unité jusqu'aux prochaines élections en 2018. La communauté internationale suivra avec attention le fonctionnement du nouveau cabinet. Nous devons pardonner, apprendre à pardonner et à présenter nos excuses quand nous sommes dans le tort. Nous retournons auprès de nos frères ou sœurs pour leur dire « nous sommes désolés ». C'est le seul moyen d'aller de l'avant. Si nous formons des groupes dans le cabinet, nous décevrons le peuple du Soudan du Sud. Mais si nous formons un cabinet uni, nous aurons certainement des idées diverses, mais nos idées sont résumées dans l'accord de paix. Rétablir la paix, rapprocher les communautés et relancer l'économie sur une lourde tâche dans un pays où l'économie a basculé dans une spirale descendante avec un taux d'inflation atteignant les plus de 200%.